Bonjour et bienvenue à ce sixième épisode de Achat Rétro-Compulsif. Et ce week-end, j'ai ramassé. Donc, on va commencer par la Xbox. Ou alors par la Nintendo. Ou encore des bouquins, des jouets, des DVD. Ou des outils. Ou par la PS1. Donc, Rayman, Glover, Frogger 2, Rainbow Six Lone Wolf et l'invasion vient de l'espace. Inclus un remix inédit de Cut Killer. Ouah, trop cool! Je me torche avec! J'ai chopé un beau livre Game Boy, donc le guide officiel des jeux Game Boy. C'est pas un guide qui regroupe tous les jeux Game Boy. C'est par exemple Super Mario Land. Il y a tous les niveaux où il y a les petites astuces, les zones cachées, enfin voilà. Très belle pièce. Pour ceux qui me suivent sur Facebook, pour les autres, je suis pas content, allez tout de suite vous abonner. Hier vous m'avez vu en photo avec des jeux Game Boy floutés. Je vais donc vous montrer ce que c'est. Bon, on va commencer par le 3DS, New Super Mario Bros. 2. Paper Mario, Final Fantasy Theatrim, Angry Birds Trilogy et Todomachi Life. Un jeu lui aussi, Super Paper Mario. Et donc, en Game Boy, Pokémon Emerald, Advance Wars, Super Buster Move, Le Livre de la Jungle, Titi et Grominé, Rayman, Fourmise, Denki Blocks, Maya l'Abeille et Sheep. C'est pas des titres super, mais dans cet état-là, je peux pas laisser ça. Ensuite, j'ai chopé une tripotée de jeux 360 Astral chaque semaine. J'aurai bientôt le full set. Il y a en tout 39 jeux 360 et 3 jeux One. Bon, les jeux One, Kinect Sport Revival, TES 15 et FIFA 15. Je les ai eus pour une méga misère. Donc, je les ai pris parce que j'ai une ou deux boîtes cassées et là, elles sont toutes neuves. Donc le jeu et la notice, je vais la dégager dans la boîte cassée parce que les jeux FIFA et PES, c'est de la merde. En 360, Mania Carta 2, l'un des jeux les plus chauds à trouver sur 360. Le Bâton de la Vérité, Arkham City, Kenny Lynch, Sacred 2, Prototype, Army of Two. Elle avait pu Army of Two, tout, il s'était sauvé. Left 4 Dead 2, Elle est Noire, Les Sables Oubliés, Dead Rising, Wet, Alien Colonial Marines, Fear 3, Undead Demon Forge, Blade Storm, Warhammer Battle March, Phantasy Star Universe, Les Royaumes de Ga'ul, Majin and the Forsaken Kingdom, Shadowrun, Sleeping Chien, Les Sims 3, Les Sims 3 Animaux et Compagnie, Superstar V8, Next Challenge, Burnout Revenge, Full Auto, Singularity, Tekken Tag Tournament 2, Mortal Kombat, Ken le Survivant 2, Midnight Club Los Angeles, Ghost Recon Advance Warfighter, Brink, Golden Axe Beast Rider, Empête 3, The Club, Oblivion, Bayonetta, et le Bender Pure Lego Batman. Bon, ça fait 40 heures là-dessus. J'ai chopé un lot aussi, la Xbox Crystal, et quelques jeux. Un beau petit jeu électronique d'époque. Enfin, petit. La poursuite spatiale électronique. Yeah. En jouet, j'ai chopé deux Star Wars Black Series, le Dark Vador et le Yoda. Un Marvel Deluxe, des livres dont vous êtes le héros, des donjons et dragons, et ça, je ne connaissais pas du tout, un livre dont vous êtes le héros. Captain America, le coffret intégral de Berserk, la saison 11 de Pokémon, les 6 premiers volumes de Naruto. Donc voilà, un bon petit week-end, j'ai de quoi faire. Je crois que je vais regarder Berserk tout en jouant au Pokémon, en lisant Captain America tout en me massant la joue.